En manchette aujourd'hui, il fait chaud et il fera chaud demain. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes CTRB en cette première journée de canicule. Allez, belle humeur au pépitre, aujourd'hui le 18 juin. Donc, la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanauzière, tient à informer la population que des chaleurs extrêmes sont présentes dans les prochains jours, seront présentes et sont présentes. Déjà, chez nous, on vous invite à boire beaucoup d'eau, sans attendre d'avoir soif. Passez quelques heures par jour dans un endroit frais ou à l'air climatisé, et informez-vous des options offertes dans votre municipalité pour vous rafraîchir. Réduisez vos efforts physiques et portez des vêtements légers. Fermez les rideaux, les stores, lorsque le soleil brille et aérez, si possible, la nuit ou tôt le matin, lorsque la température est plus fraîche. Donnez et prenez de vos nouvelles, de vos proches, et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Utilisez l'eau pour rafraîchir votre peau. Prenez une douche ou un bain frais au moins une fois par jour et humectez souvent votre corps avec une serviette mouillée ou un vaporisateur d'eau. Il est aussi possible de rafraîchir les enfants en jouant avec de l'eau, des jeux d'eau, boyaux d'arrosage, pataugeuses, etc. Rappelons finalement qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une pièce chaude peu aérée, ni dans une voiture, ne serait-ce que quelques minutes. Les personnes les plus à risque de présenter des complications liées à la chaleur sont les enfants de 0 à 5 ans, les personnes aînées, les personnes vivant seules ou en perte d'autonomie, les personnes souffrant de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, rénales, diabète, de troubles de santé mentale, ou de dépendance, alcool, drogue, les personnes qui n'ont pas accès à des endroits climatisés, les travailleurs aux métiers exigeants physiquement, exposés au soleil ou à la chaleur, ou portant des équipements de protection individuelle pendant une longue période, les personnes faisant de l'exercice intense, dehors ou dans des locaux mal ventilés, non climatisés, les femmes enceintes. Mais quels sont les symptômes à surveiller? Mal de tête, crampes musculaires, enflure des mains, des pieds, des chevilles, fatigue inhabituelle ou épuisement, signes de déshydratation, bouche et peau sèches, forte soif, urine foncée, poux et respiration rapide, nausées ou vomissements. En présence de ces symptômes, rendez-vous sans tarder dans un endroit frais et buvez de l'eau. Pour toute question sur votre état de santé, on vous invite à communiquer avec Info Santé 811 ou consulter un professionnel de la santé. S'il y a présence de fièvre, d'étourdissement, de confusion, de perte de conscience, il pourrait s'agir d'un coup de chaleur. C'est une urgence médicale. Composez le 911 pour obtenir une assistance immédiate. Ici, à Berthierville et à Saint-Ignace, les jeux d'eau sont en fonction, nous a-t-on confirmé. On invite jeunes et moins jeunes à en profiter. Un bel endroit, évidemment, pour se rafraîchir. Il y a des jeux d'eau près de la piscine à Berthierville et près du chalet des loisirs à Saint-Ignace de Loyola. Le Centre d'action bénévole d'Autrée, le CABA, pour sa part, invite les personnes ayant de la difficulté avec la chaleur à venir profiter d'une fraîcheur au CABA, dans les locaux du CABA à Berthierville. Et ce, toute la semaine, sauf jeudi matin, où il y a des cours de mise en forme. Lorsque vous irez visiter le CABA pour vous rafraîchir, on vous offrira même un Mr. Freeze. Et oui, Mr. Freeze sera présent. Et ce, jusqu'à 16h30. Donc, on fait attention et on se rafraîchit le mieux possible pour passer à travers cette canicule, la première, on ne sait pas, peut-être qu'il y en aura d'autres, de l'été 2024. La pourvoirie du Lac-Saint-Pierre est heureuse d'annoncer le lancement
d'un nouveau service touristique innovant, un circuit nautique, phonique et historique. Ce projet, financé à la hauteur de 90 000 $ par le ministère du Tourisme, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la table des préfets de Lanaudière, le tout dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, promet de faire découvrir aux visiteurs la richesse naturelle et patrimoniale de l'archipel du lac Saint-Pierre. Le lancement a eu lieu avec, en présence de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, et du directeur général de Tourisme Lanaudière, Denis Brochu. En plus des discours officiels et des remerciements, une immersion dans le circuit touristique a été organisée, permettant aux invités de vivre une expérience unique et de se familiariser avec les attraits ornithologiques, phoniques et historiques de la région. Ce parcours nautique offrira une occasion unique d'observer la faune diversifiée du lac Saint-Pierre et de plonger dans l'histoire fascinante de ce site exceptionnel protégé par l'UNESCO. Ce projet permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique en découvrant ce magnifique site. Les touristes apprécient particulièrement notre nature et tout ce qu'elle a à offrir. Ce circuit est une façon très originale de leur donner l'accès tout en respectant le milieu naturel, ce qui contribuera à rendre la région encore plus attrayante, a souligné la ministre du Tourisme, ministre responsable de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx. L'archipel des îles du lac Saint-Pierre, partie prenante de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre, constitue un fleuron naturel qui vaut vraiment le détour. Cependant, pour en prendre la pleine mesure, il faut naviguer dans les canaux qui bordent les innombrables îles. Par la mise en place de ce nouveau circuit ornithologique et historique en bateau, la pourvoirie du lac Saint-Pierre innove encore une fois, permettant à la fois la découverte des paysages, de l'histoire et de la faune aviaire. Bravo pour la mise en place de cette nouvelle offre touristique vouée à un bel avenir, a mentionné le directeur général de Tourisme Lanaudière, Denis Brochu. Le circuit est accessible aux clients dès aujourd'hui. Ne manquez pas cette opportunité exclusive de découvrir l'archipel du lac Saint-Pierre. À propos de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, possible d'obtenir plus d'informations en visitant le site www.lacsaintpierre.com. La Société des traversiers du Québec, la STQ, avise sa clientèle de modifications d'horaire dans certaines de ses traverses en raison d'une grève des employés affiliés au syndicat des métallos. Les modifications affecteront les traverses de Saint-Ignace-Sorel-Tracy, de Québec, de l'Île-aux-Coudes, de Tadoussac et de Matane. La grève, puisqu'il s'agit d'une grève, débutera à 6 h vendredi 21 juin pour se terminer à 6 h le dimanche 23 juin. À Saint-Ignace-de-Loyola, Sorel-Tracy, donc la traverse chez nous, le service sera complètement interrompu entre vendredi 21 juin et dimanche 23 juin, selon l'horaire suivant. Vendredi 21 juin, dernière traversée, la dernière sera à 3 heures dans la nuit, de jeudi à vendredi, de Saint-Ignace vers Sorel-Tracy. Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment. On passe à dimanche 23 juin. Le service reprendra selon l'horaire normal à 6h30 le matin de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace de Loyola. Cette grève courte, mais quand même, touchera aussi le service de Québec-Lévis qui sera interrompu complètement entre le 21 juin et le 23 juin. Il y aura également des perturbations au niveau du service pour la traverse Matane-Bécomo-Godbout, donc qui sera aussi perturbée là, dans les mêmes journées, et également pour Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, il y aura également
perturbation au niveau des traversiers. Mais ce qui nous concerne évidemment le plus, c'est la traverse Sorel-Saint-Ignace qui, on l'a dit, donc sera pendant quelques heures vraiment complètement arrêtée. Les négociations se poursuivent cependant selon la Société des traversiers du Québec et la STQ demeure en tout temps, nous dit-on, disponible pour continuer ces négociations et éviter le recours à la grève ou à tout autre moyen de pression. Donc, un dossier à suivre, les négociations se poursuivent, mais pendant quelques heures, il y aura grève et les navires de la Société des traversiers seront à quai le temps de cette grève. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600$ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000$ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Allô, ici Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la belle région de Lanaudière. Sous le ciel étoilé de cette belle province qu'est le Québec, on va célébrer ce rassemblement, ce moment unique de notre identité, de notre culture, de notre langue, pour fêter notre fête nationale à nous, célébrant le passé et voyant le futur de la nation du Québec tous ensemble. Je vous souhaite une extraordinaire fête nationale du Québec. En ce 18 juin, le Centre d'action bénévole, la FADOC de l'Île-du-Pas, voilà, petit mélange. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louis Darvaux. Donc, en ce 18 juin, c'est votre anniversaire aujourd'hui, chers téléspectateurs. Eh bien, toute l'équipe de CTRB est avec moi pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, voilà pourquoi on s'est trompé tantôt. Le Centre d'action bénévole d'Autrey offre différentes sorties culturelles durant la saison estivale. On écoute en entrevue Monique Drainville du CABA. Elle nous parle de ses prochaines activités à venir et des places encore disponibles. On écoute l'entrevue. Bonjour Monique. Bonjour Daniel, ça va bien, oui. Ça me permet que je t'appelle Monique. Ben oui. Tu es animatrice intervenante, c'est bien ça, au CABA. Au Centre d'action bénévole d'Autrey, oui. Donc, tu es la personne qui fait bouger le monde. En effet. Je suis de retour depuis quelques temps au CABA. Ouais, OK. Et tu proposes une belle programmation de sorties, premièrement, au CABA, et aussi des activités. On va commencer par parler des sorties, parce qu'il y a certaines dates limites, puis si les gens sont intéressés, mais en bon français, il ne faut plus qu'ils prennent dans le manche. Bien, en fait, c'est ça depuis quelques temps, avec mon directeur par intérim, directeur Christian Paquet-Coutu. On cherche des belles sorties culturelles, belles sorties aussi d'activités physiques pour
toutes sortes de personnes là, qui peuvent s'inscrire au CABA. C'est pas nécessairement les aînés, mais souvent les aînés veulent emmener leurs enfants ou petits-enfants. Alors pour certaines activités, c'est permis. Ah, on peut expliquer ça, oui. Donc on en a déjà fait là, des sorties interculturelles, intergénérationnelles plutôt. Alors ceux qui ne sont pas comblés encore, on a le samedi le 20 juillet, un voyage assez spécial à Odanak. OK. Donc, on part du CABA. L'horaire est de 8h30, départ du CABA. OK. On se rend dans un musée à Nicolet, Musée des cultures du monde, ancien musée des grandes religions du monde, qui a été adapté là, parce que le mot religion faisait un petit peu peur. Là. Donc, visite du Musée des cultures du monde. On pique-nique dans un parc à Nicolet et ensuite, on s'en va voir le Pawa Abenaki à Odanak. Tu me parles de pique-nique parce que quand on parle de pique-nique, les gens peuvent apporter leur pique-nique, mais il y a des boîtes à lunch d'habitude qui sont offertes à CABA. Est-ce que c'est encore ça? Je veux pas. Oui, pour certains voyages, dont celui-ci, c'est possible d'acheter une boîte à lunch du CABA au coût de 12 $. Donc, c'est la papa troulante qui cuisine le tout pour nous. Alors, on rajoute ça au forfait pour la sortie où on offre des pique-niques. Entre autres, à Odanak, c'est possible de le faire. Tu me parles que c'est quelque chose qui est disponible autant intergénérationnel. On peut amener nos petits-enfants ou non dans celui-là? Oui, c'est possible, celui-là. Il faut juste le mentionner lors de l'inscription. Puis c'est un samedi en plus. Là. Ah, okay, samedi 20 juillet, seulement 60 $ et on rajoute un 12 $ si on veut la boîte à lunch. Avec l'autobus, avec tout, tout est inclus? Tout est inclus, autocar de luxe pour ce voyage. C'est bien, mon Dieu, climatisé. Climatisé, toilettes, tout, hors de kit. Le Pawa, c'est quoi exactement? Tu sais-tu un petit peu, là, tu l'as déjà vu? C'est, on appelle la grande rentrée. Donc, c'est toutes les traditions autochtones qui sont véhiculées par les artisans de cette place-là, de ces citoyens-là qui habitent Odanak. Vous allez pouvoir retrouver des danses autochtones, de la musique aussi reliée à leur tradition. Beaucoup d'artisans aussi avec leur spiritualité autochtone qui produisent des articles qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ça, il y a comme un côté boutique aussi. Oui, artisan de rue. Un peu comme un marché de Noël, mais adapté à la spiritualité autochtone. C'est ça. Donc, on passe l'après-midi là, puis on revient... OK, c'est ça, dans le soir. On peut manger là en fin d'après-midi. Ah, il y a des food trucks, tout ça. Puis on revient au début de la soirée. C'est une belle activité. Ben franchement, c'est très bien. Que ça, il reste quelques jours, tu me parlais... Ben, en fait, la date limite est demain pour s'inscrire, mais vu qu'on a déjà confirmé notre autocar, parce que c'est pas mal rempli, on va pouvoir rajouter des dates d'inscription. Là, donc, ça, n'hésitez pas, samedi 20 juillet, vous avez encore le temps de vous inscrire, on prolonge la date d'inscription. Et si tu es d'accord, moi, c'est bon à savoir, parce que je l'ai su par hasard, les paiements peuvent être faits en argent, peuvent être faits en chèque, c'est bien ça, ou par carte de crédit. En effet, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour venir payer au CABA, vous pouvez juste nous appeler et confirmer par paiement carte de crédit. Puis nous, quand on officialise le voyage, on prend les paiements pour réserver les billets. Parfait. Bon, je te remercie. On s'en va maintenant au 2 août, c'est bien ça? Oui, vendredi le 2 août, c'est l'autre voyage qui n'est pas encore complet. On peut procéder aux inscriptions encore une semaine pour s'inscrire. Celui-là est un peu plus serré au niveau des délais d'inscription parce qu'on doit réserver des billets de théâtre. Ouais. Donc ça, c'est officiel qu'après le 26 juin, là, on ne pourra pas aller bien plus loin que ça au niveau des inscriptions. Donc, on parle de visiter le village québécois d'antan dans l'après-midi. Ben, même si les gens sont allés plusieurs fois, ça change tout le temps d'animation. Ils refont des nouveaux trajets, des nouvelles maisons, tout ça. Donc, départ du CABA le vendredi 2 août à midi. Okay. On se rend au village québécois d'antan. On pique-nique dans un parc à Drummondville, un parc spécial près de la rivière Saint-François, le parc Woodyat. C'est magnifique, oui. Oui, c'est très beau. Vous allez pouvoir apporter votre boîte à lunch ou vous achetez une boîte à lunch du CABA au coût de 12 $. Et on voit en soirée la pièce « Appelez-moi Stéphane » qui a déjà été tournée, là, présentée, et réalisée dans les années 80. Alors, c'est avec Patrice Bélanger, ben, Véronique Dicker, Bernard Fortin, Dominique Paquette et Tammy Verge. Diane Lavallée. Diane Lavallée, on apprend qu'elle a un problème de santé. Ah, oui, c'est vrai. Donc, ça se peut qu'elle soit remplacée. Mais déjà, voir cette brochette d'artiste-là,
C'est vraiment très intéressant. Là, tu sais, tes côtoies proches, hein, parce que c'est théâtre d'été, c'est pas la place des arts. Non, c'est quand même des choses. Donc, c'est une très belle idée. Ça, c'est pour le vendredi 2 août. Alors, il reste beaucoup de place pour cela. On espère que ça va se réaliser. Il faut un minimum requis là, de 40 personnes pour celui-là. OK. En autobus régulier? Non, autocar de luxe. OK. Aussi. Non, mais c'est bon, ça va. Non, oui, il y en a qui n'aiment pas ça, le jaune. Ben, c'est parce que ça nous rappelle nos années d'école. Moi, c'est sûr que ça nous tente de rentrer dans ce. On fait quand même des beaux voyages en autobus jaune. Oh, oui, c'est un beau plaisir. Oui, on rit beaucoup. Oui. On rit parce que ça brasse. Oui, c'est ça. Ça nous rappelle des souvenirs. Oui, c'est ça. OK. Une activité que je trouve le fun que vous avez rajoutée, puis que ça n'a jamais été fait par le Cabot. Tu sais, on avait beaucoup. Tu sais, là, les voyages, le théâtre, des choses. Mais aller à Saint-Tite, c'est l'idée du cow-boy Christian. Donc, Christian, notre cow-boy. Ah oui? Oh, oui. Donc, Christian a eu cette idée-là. J'ai planifié ça avec lui. Donc, mercredi 11 septembre, Festival Western de Saint-Tite. On a choisi la date du mercredi 11 septembre parce que c'est là la journée où il y a un peu moins d'achalandage. Parce qu'on sait que c'est énorme le monde qu'il y a là, mais le mercredi semblait un peu moins achalandé selon les responsables là-bas. Donc, 11 septembre, on part du Cabot dans l'après-midi à 13h et on va au site à 14h30 du festival. Ça inclut l'étoile du shérif, pour ceux qui connaissent ça. L'étoile du shérif, on la porte, puis on peut se promener dans différents kiosques. Donc, on a accès à plus de choses quand on possède ça. Puis, on soupe là-bas, c'est à vos frais pour le souper. Il y a des aires de bouffe, des food trucks, tout ça. Vous choisissez où vous allez. Et on assiste à un rodéo qui est commandité par le gouvernement du Québec. Et ce n'est pas le rodéo du gouvernement du Québec. Là, on ne voit pas des ministres assis sur non, le plan. Non, c'est ça. C'est juste la commandite du gouvernement du Québec. Et à 11h30. Et on revient à 7h. Ça aussi, c'est en autocar de luxe. On a une date limite pour s'inscrire, mais comme tous les voyages au Cabot qui se remplissent assez vite, si vous attendez la date limite, des fois c'est rempli bien avant. Puis ça vous donne l'occasion de voir ça. Moi, je vais t'avouer, honnêtement, j'ai jamais été. Mais ça vous tente, là. Mais c'est ça, puis il faut voir ça. Ça allait pour notre vie, il faut aller voir ça, parce que c'est un. Tu sais, Saint-Tite, qui est un petit village, on parle de 4-5 000 habitants, qui devient 20 000, 25 000 avec des roulottes. En peu de temps. En peu de temps, avec des roulottes, puis le monde à chevaux, puis les rues qui se promènent à chevaux. On change de monde directement. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut voir dans Puis le fait de le vivre, là, il y en a qui sont peut-être inquiets, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, ça, mais le fait de le vivre en groupe, justement, ça peut être. Enlever l'anxiété un peu de faire ça. Quand on suit en groupe, ben, ça peut être intéressant dans ce grand festival-là d'être avec d'autres personnes. C'est ça, de se sentir en sécurité et de savoir qu'on s'en va. Oui. C'est bien. On n'a pas donné le numéro de téléphone, 836-7122. Au Cabot. Au Cabot. Vous appelez au Cabot, vous demandez à parler à Manon, c'est elle qui prend les inscriptions. C'est bien. Une autre chose bien intéressante, c'est Fred Pellerin, on a réussi à bloquer des sièges, qui est très rare avec Fred Pellerin. Il faut appeler un an, deux ans d'avance. Bons contacts. Il nous reste pas beaucoup de place pour celui-là. Même si la date limite est le 17 juillet, il faut comprendre que je pense qu'il reste 7-8 places seulement. Donc, branchez-vous. Donc, il ne faut pas attendre la date limite. Seulement 90$. Ça inclut l'autobus scolaire cette fois. C'est pas très loin, c'est à peu près à 50 minutes d'ici. Donc, autobus scolaire et c'est dans l'après-midi. Donc, on ne revient pas trop tard, on soupe après le spectacle. Donc, c'est pas un souper-spectacle, c'est un spectacle-souper. Mais ça, c'est bien, ça. Moi, je vais t'avouer que. Samedi après-midi. Un samedi après-midi, tu reviens pas trop tard. Ça, c'est dans mes branches aussi. Fait que vous allez être la prochaine inscrite. Alors, Vous avez été chanceux. Le 28 septembre. Puis, c'est ça. Puis, faites prendre un autobus jaune dans les baies scolaires, ben, ça diminue les coûts aussi. Oui, parce qu'on parle de quasiment. 1 500 $ ou 1 800, tout dépendant du voyage, de différence avec c'est ça. Donc, on peut aller voir Fred Fortin. Fred Pellerin. Vraiment très intéressant. Un gars, entre guillemets, de la place, parce qu'on parle de la Russie, on fait un souper dans un resto à bière. Là. C'est un resto-bar à bière. OK, c'est déjà La Prohibition, qu'est-ce que ça s'appelle. Ouais. Donc, c'est réservé pour ce restaurant-là. Ah, ben et c'est ça, malheureusement, c'est pas inclus dans Non, mais regarde, c'est ça, mais ça fait partie des choses. Bon, on a fini de parler, des grandes sorties. En fait, c'est ça, il y a des sorties, comme ceux-là, c'est celles qui restent des places, mais sachez qu'il y a d'autres sorties là, qui sont déjà bookées, là, comme jeudi prochain, le 27 juin, on n'en a pas parlé, mais on s'en va à Québec. Ouais. Tout est réservé, tout ça, mais il reste 5 places.
OK, donc, c'est au Musée national. Au Musée national des Beaux-Arts, le Vieux-Québec en après-midi, restaurant. Donc, il reste quelques places. On permet aux gens de se réinscrire là, jusqu'à mardi prochain. La chose qui peut arriver aussi, c'est qu'aller sur le site Internet du Cabot. Oui, toutes les... Appeler au Cabot, penser, parce que toutes les choses. Oui. Puis si, à la limite, même, je pense, pour les autres sorties, je ne sais pas s'il y a des listes d'attente. Prenez-vous des listes d'attente ou non, c'est des activités? Oui, à tous les voyages, on peut mettre des noms en attente. Ça veut dire que si la veille, quelqu'un se désiste, maladie ou autre, ben si on a un nom en liste d'attente, on peut prendre sa place. Mais il faut être disponible. Il faut être disponible. La personne ne perd pas son argent. C'est ça. Par contre, si vous vous désistez d'un voyage et qu'on n'a personne pour vous remplacer, souvent, on perd le montant parce qu'on a déjà bouclé des réservations. C'est bien normal. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous sous la belle étoile, tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous! À l'hôpital de Lanaudière, le 12 mai, à 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoraie. Il laisse dans le deuil de son épouse ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole, 8 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants, ses sœurs, Noëlla, Feu Laurette, Jacqueline, Feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 juin, 11h, au complexe funéraire FTRIO, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra sur place une liturgie à 15h30. Les cendres de M. Fournier seront déposées au cimetière de Montmagny. À l'hôpital Pierre-Legardeur, 11 juin dernier, à 76 ans, est décédé M. Gérard Brissette, époux de Gertrude Sauvé, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Sophie Brissette-Luc-Duquette, Gérard Junior Brissette, ses petits-enfants, Jesse, Mario, Chani, Jérémy et Dylan, son arrière-petit-fils Georges, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin, 14h30, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 29, un temps ressenti de 40. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 22, un temps ressenti de 27. Mercredi matin, c'est ensoleillé avec passages nuageux. Une température de 26, un temps ressenti de 36. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 32, un temps ressenti de 43. Mercredi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 30, un temps ressenti de 41. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale, en ce 18 juin, à la belle humeur au pépite. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin qui vous informe. À demain!